Monsieur le directeur général, quel est le sens de cette table de Noël à l'intention des enfants de travailler? Merci pour la question, mais c'est comme toute fête chaque année de Noël, parce qu'en décembre, vous savez bien que c'est une fête à la Noël, la naissance du Christ, et puis à la Saint-Sylvestre. Bon, la Noël, c'est pour les enfants généralement, et puis la Saint-Sylvestre, c'est pour les grandes personnes. Donc on ne saurait laisser passer cette occasion de quand même égayer nos enfants, c'est-à-dire les enfants du personnel. Parce qu'en tant que premier manager de cette entreprise, je pense que je me dois, c'est un devoir pour moi, de regrouper les enfants de la grande famille Lonassi, de 0 à 10 ans, pour leur offrir cette table de Noël que nous faisons ce jour. Donc je vais profiter de l'occasion en tout cas pour remercier tous les parents, parce que vous avez vu que tout à l'heure quand je disais le nombre des enfants a augmenté, c'est pratiquement doublé depuis 2018 à 2019, en décembre 2018, nous étions à peu près 250 enfants. Cette année, il y a 400 enfants selon ce qu'on m'a rapporté. Donc ça veut dire que les parents sont dans une atmosphère de sérénité. Ils peuvent travailler et puis bien produire. Voilà. Donc en tout cas, moi, c'est l'explication que je donne, le sens que je donne à cette dynamique qui accompagne aussi la dynamique de la Lonassi en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats. Nous avons connu une année de croissance, nous avons bien terminé l'année, et nous allons nous retrouver en d'autres occasions pour parler de chiffres. Aujourd'hui, ce n'est pas de chiffres qu'on va parler, mais c'est nous un devoir de rendre hommage aux parents, de rendre hommage à ces jeunes enfants de 0 à 10 ans, pour leur donner ce qu'on peut leur offrir de notre cœur. Voilà, c'est un peu le sens de cette table de Noël qui précède un peu le 24, parce que après la dernière semaine du mois de décembre, on rentre un peu dans des activités intenses. Donc il faut plutôt le faire. On l'a fait l'année dernière un peu à l'approche du 24, mais cette année on a décidé de prendre les dispositions avant, dans la première semaine, dans la première quinzaine du mois de décembre, pour commémorer cette fête-là de Noël pour les enfants du personnel de la Lonassi, à l'intention des enfants du personnel de la Lonassi. Merci. La motivation de cette table de Noël organisée par la mutuelle Awale de la Lonassi. Je voulais s'améliorer que la Lonassi est une entreprise citoyenne par excellence en Côte d'Ivoire ici. Donc c'est tout à fait normal qu'elle soit proche de ses travailleurs. Donc dans ce cadre-là, comme toute entreprise qui respecte ses travailleurs, on organise chaque année une table de Noël consacrée aux enfants des travailleurs. Donc c'est dans cette dynamique-là que la table de Noël est chaque année organisée. Alors, combien d'enfants vont bénéficier des cadeaux cette année? Cette année, le directeur général se propose d'offrir des cadeaux à plus de 400 enfants, de 0 à 10 ans. L'année dernière, ils étaient à peu près 250, cette année, ils sont à 400. Donc, vous comprenez que le directeur général de la Lonassi est toujours proche de ses travailleurs, en conséquence des enfants des travailleurs. C'est pour ça qu'on organise cette belle fête dans ce magnifique endroit. Quels sont les projets futurs de la mutuelle Awale? La mutuelle Awale sociale est une mutuelle qui se construit. La mutuelle de la Lonassi, c'est pas. Elle vient d'effectuer un stage à la mutualité française pour acquérir l'expérience des Français en matière. Elle est une dynamique de progrès. C'est une mutuelle d'entreprise. Donc, elle est une mutuelle d'économie, notamment à l'organisation des manifestations pour
personnel, la santé également, et le déjeuner et tout ça. Donc je pense que c'est une mutuelle assez grande. Dernier mot à l'endroit des enfants. À l'endroit des autres tout petits, nous leur souhaitons bonne fête. Et que le Père Noël, M. Draman Koulibaly, les yeux de la Lune assis est passé par là. Et ils sont tous heureux, vous voyez avec moi qu'ils sont tous heureux. Zoku Ketia, c'est laquelle?
pour Imane Yassine. Est-ce que vous êtes pour Imane? Venez les enfants, venez, retrouvez-moi ici. Venez. Zoku Kétia est là. Est-ce que... Viens ma puce, retrouve-moi. Kwaku Imane, est-ce que Kwaku Imane? Yasmine est là. C'est toi? D'accord. Traoré Fatoumata. Est-ce que Traoré Fatoumata est là? Goba Esther Noëlla. Goba Esther Noëlla. Non? Écoutez, venez, c'est vous qui décidez. Elles vont marcher, elles vont faire comme la tata, la miss qui est assise là-bas. Et c'est vous qui décidez. Ok? Il y a une dernière?
tiens, je tiens. Vous avez proposé. On va servir les enfants qui sont minoritaires. Et après, vous allez vous servir. Est-ce que les parents et les accompagnateurs peuvent rester assis? On va déjà s'occuper des enfants. Et après, vous serez servis. Il y a à manger pour tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas. Restez assis. On va d'abord s'occuper du Père Noël. Est-ce que le Père Noël est... Est-ce que le Père Noël et son ami Mickey, est-ce qu'ils sont prêts? Les enfants, vous restez assis, le Père Noël va s'installer et tout à l'heure, cadeau. Vous êtes d'accord? Voilà, donc on reste sage, le Père Noël peut venir. Le Père Noël et son ami Mickey, est-ce qu'ils sont prêts? Thank you.
Voilà.